Nous saluons chaque monde qui a regardé des vidéos à un moment, c'est ça au 89, je nous connais déjà. Je vous apporte pour nous comment nous sommes capables de travailler en photo et pour nous retirer fonds professionnellement comme ça, ok? Nous prenons photo noire, nous voyons sur Photoshop là, ok? Photo noire sur Photoshop là, la Konya. Et puis ça nous fait aller dans la sélection et puis nous. Et click selection tools et puis nous fait select subject. Et puis là nous fait select subject et puis lui sélectionner sujet noir pour nous, ok, normalement. Et puis qu'on a ça n'a fait, nous avons juste aller dans select and mask. Nous allons dans Wolfen Edge Brush Tools, deuxième outil noir. Ok, s'il te gros, nous descendons là, et pas non pas gros, et petit, nous font augmenter, et puis nous passons dans tout côté qui gagne point cheveux. Ok, c'est dans tout point là, et puis nous juste allons nous faire, nous cliquer OK. Juste allons faire CTRL J sous lit, ou bien moi faire un nouveau masque. Dans ça, je sélectionne, faire un nouveau masque, ou bien. Moi fais CTRL J, ok, fais CTRL J, ok, n'a fait mes photos ça, n'a fait mes photos ça, ok, et puis nous ouvrons ça en bas, et puis qu'on a nous cliquer sur ça, nous retirer le cadenas sous lui, et puis nous aller nous sélectionner couleur qui n'a fond pour nous capable faire fond pour photo nous, ok, et puis nous cliquer OK, et puis cliquer OK nous aller dans Paint Plain Bucket Tools, ok, et puis nous juste cliquer sur lui et puis lui prend couleur fond noir. Normalement ça nous besoin de balia. Nous avons juste fait mes photos en bas et puis nous juste ouvrir pas noir. Nous avons pris fond, nous avons monté lui en lait et puis ça en bas nous pas besoin encore. Ça nous va le faire pour nous et moi pour aller et moi pour aller créer, moi pour faire décalage dans fond. Ok, moi fais un nouveau layer là et puis je vais aller me prendre ellipse tools et puis moi fais un one, ok, moi bali couleur blanc, sélectionner là bali couleur blanc et puis moi bon l'autre façon moi le montrer nous faire lui bon l'autre façon m'a montrer nous faire dans la prochaine vidéo, ok, me placer et puis juste aller dans filtre me faire bleu et puis me faire gauche et bleu. Ok, je fais convert to smart object et puis moi augmente. Ok, je mets la dimension que moi m'a besoin là. Ok, top. Ok, là, ça c'est plus ou moins bon. Ok, là, plus ou moins bon. Donc ça m'a fait seulement, m'a juste fait un petit augmente. Ok, passer l'antigen petit, juste fait un petit augmente légèrement. Okay, et puis juste cliquer là, la bonne forme normalement. Ok, ya. Pour ça ce que m'a besoin, je vais commencer à placer objet que moi-même m'a gagné. Ok, nous draguer ça m'a besoin pour mettre dans la photo. Ok, je vais laguer sur l'application. Ça m'a fait, m'a placé 3. Ok, et puis m'a placé 1. C'est 1 dans la main. Ok. Ça que moi le fait qu'on y a ma prend 3 m'a mettre là en bas photo à bon prend photo à mettre là les tous les deux parce que faut que ça au pas derrière, OK, et un placé un tout bien tombé, OK, un tout bien tombé et puis 3 me placer normalement dans photo, OK, et un petit genre 3 derrière, OK, et puis nous allons continuer à ajouter ça que nous avons mis dans la photo. Ok, nous draguer ça. Ma besoin. Ok, mettez là. Make sure que nous avons mis objet. Puis nous mettons comme si nous mettons par exemple nous prenons le plaqué là. Ou bien nous mettons là comme ça. Des fois, elle ne va pas être normal. Regardez là comme si pied mon envie nous paraît comme si c'était dans l'espace. Faut toujours choisir côté par exemple direct là côté PIA et vous même tout faire ou mettez
directement dans zone côté pied monna t'as supposé parler à terre, ok? Côté pied monna t'as supposé parler à terre, vous même vous mettez photo à ça en placé à bon côté là, et puis qu'on a ça bien placé, on va le dire, on va juste envoyer comme si pour parler pour anniversaire un gâteau, on va quelconque, et bien gâteau en là. Chaise pour capable mettre gâteau bas c'est pas capable mettre gâteau à terre bas le mettre la terre et puis gâteau noir qui lui même qui là ok cliquer et puis nous draguer on va aller sur application Photoshop là nous kembel et puis nous kembel sous ça et puis nous la guide ok chaise noire montée ok nous placer qui est là gâteau nous en monté nous placer li n'a fait gâteau en petit jean plus petit pour cacher ta sous modèle chaise là ok n'allez dans chaise là pour nous capable faire une sorte de ombre dans chaise là ok n'allez dans burn tools et puis nous cliquer ça sous li la faire nous mettre dans smart object et puis nous juste faire un petit noircil en façon comme si vous le parlez d'un coup ombrage bon ben nous pas besoin d'en faire en blanc juste faire ça là parce que pas besoin de tout côté juste faire ça là et puis ya gâteau noir même lui placé et bon pas besoin d'ajouter le bagage encore nous là. Ça nous va faire qu'on a, nous va prendre une chaise là, on a fait CTRL J et puis nous fait CTRL D sous lui et puis nous fait clic droit sous lui et puis nous fait flip vertical et puis vient tête en bas qu'on a pour nous capable faire pied là. Vous comprenez pour nous capable faire pied chaise ça. Donc qu'on a là, on a laissé chaise qui comme ça toujours bien des pieds qui plus haut. Donc au lieu d'aller faire plusieurs copies sous lui nous juste prendre outil effacer noir et puis nous effacer pied effacer arriver dans prendre ça là ok nous prendre deuxième ça là tout bon et puis nous aller nous faire le même genre pour tout reste ok ça trop ok kounya ça n'a fait souli n'a aller là côté ligne aller là et puis nous juste descendre dans opacité li. Ok, n'a pas descendu dans l'opacité. Nous descendons. Ok, moi je toujours ajouter un petit filtre sur lui, un petit Gaussian bleu. N'aller dans filtre et puis aller dans Gaussian bleu. Dans bleu et puis aller dans Gaussian bleu et puis juste aller dans font petit descendre tout petit, pas besoin en pile là-dedans. Ok, tout petit. Et puis cliquer ok. N'a fait même bagarre la même processus là pour dame. Ok, photo principalement pour dame. Nous faisons CTRL J, nous faisons CTRL T, et puis nous faisons clic droit sur lui. Clic droit, et puis nous allons dans flip vertical. Et puis une tête en bas, et puis nous draguons, descend. Ok, nous allons zoom. Ok, ça a l'air bon. Nous allons faire un autre layer de pied. Pour nous capables de faire un deuxième pied, ça. Ok, nous faisons CTRL J. Ok, il vient copier et puis nous prenons le monter pour le cas monter pour nous faire le deuxième pièce. Donc nous pas besoin de pièce, nous allons juste aller dans outil effacer noir et puis nous juste effacer pièce que nous pas besoin effacer pour parce que nous pas besoin ça. Ok, effacer. Nous allons cliquer sélectionner la tour en cas où vous citez un tir qui paraît en l'air pour nous capables d'effacer tout. Ok, nous basons, nous effacer. Ok, ça n'a fait qu'on a, n'a juste aller, nous sélectionner de ça, nous pèser contrôle sur clavier noir, et puis nous pèser ça, et puis nous faire clic droit, sélectionner de là. Et nous faire clic droit, et puis nous allons, nous faire merge layer. Ok. Je viens faire un seul gouna. Gouna nous descend dans opacité a. Ok, nous descend dans opacité a. Et puis
photo noire lui-même. J'en ai gardé là photo noire lui-même lui fini travail. Et même qui j'en photo noire était avant et puis mais qui j'en fini après nous fin faire et travail là là-dedans. Mais j'en était avant et mais j'en fini après. Nous remercions chaque monde qui t'a regardé vidéo ça et espérons que n'a jeune l'autre vidéo côté que m'a montré nous plus bagaille et des fois me fait raccourci ensemble avec nous m'a montré nous plus raccourci m'a montré nous plus bagaille et sous façon que même capable travailler photo. Merci, à la prochaine vidéo.